91 quai de la gare, se trouve un ancien entrepôt frigorifique, propriété de la SNCF. Longtemps resté à l'abandon, le bâtiment fut ensuite squatté. Il est désormais occupé légalement par plus de 150 artistes et artisans. Ils sont peintres, photographes, sculpteurs, danseurs, plasticiens, musiciens, décorateurs, illustrateurs, comédiens et constituent l'une des plus denses concentrations de créateurs de la capitale. Par hasard, parce que je cherchais un endroit pour faire un décor pour un film de publicité. Et la maison de production ne voulait pas payer un studio de cinéma pendant une semaine, la préparation, etc. Et alors, j'étais obligé de trouver un endroit où j'ai préparé mon décor. Et je suis venu ici en pensant de trouver un artiste qui me louait son atelier pendant une semaine. Et finalement, en me promenant dans les lieux, il y avait une porte ouverte ici, complètement dans les noirs. Je suis retourné l'après-midi avec une torche parce qu'on ne voyait rien. Et finalement, je me suis dit vraiment, si un jour j'ai besoin d'un atelier, je crois que ce serait vraiment l'idéal parce qu'il y avait quelque chose vraiment qui me fascinait. Tout me plaisait, les graffitis qu'il y avait dans les couloirs, les côtés hard, le béton, les ciments, tout ça. Je trouvais que c'était le bon moment pour faire ça. Moi, j'aime les contrastes. Moi, j'ai habité à Venise. Et quand je suis allé à Venise, j'étais très fasciné par cette ville très baroque et sublime et de l'art, etc. Une fois que j'y étais dedans, il y en a tellement dans la rue, tellement, que chez moi, je voulais quelque chose d'autre. Donc j'ai créé un contraste parce que j'allais à Londres à l'époque. Et chez moi, j'avais fait complètement psychédélique avec des couleurs, toutes les couleurs, jaune, rouge, vert, violet. Vraiment comme une chemise psychédélique. Et toute la maison était faite comme ça. Si j'habitais place de la Concorde ou Ritz, peut-être que je ferais peut-être des graffitis dans mon appartement. Ici, bon, j'aime bien aussi par rapport à ce côté hard, par exemple, d'avoir quelque chose de très sophistiqué. Cet endroit, il est fait presque à ma taille, presque à ma mesure, et j'ai mis un peu ma vie dedans. Et les jours que je vais partir, il y aura une partie de moi qui va partir aussi. Donc, ils vont démolir aussi une partie de moi, je crois. Mais bon, ça, les gens qui les font, ils s'en foutent. Donc. Je suis arrivé dans la vague de 85, suite à une annonce parue dans le Figaro. Et bon, moi, ça faisait 6 mois que je galérais à chercher un lieu. Cherchais d'ailleurs avec un photographe qui est de l'autre côté du mur maintenant. Et qu'on a trouvé ça, on connaissait le lieu à l'époque où c'était essentiellement du squat, parce qu'on avait des copains qui jouaient du rock'n'roll et qui
avait la paix ici pour jouer du rock'n'roll. Donc on connaissait le lieu, mais quand on a appris que c'était ici, bon, il y avait d'abord une petite réticence parce que c'était vraiment effrayant quand même l'état dans lequel on l'a trouvé. Il n'y avait pas de... C'était des frigos. C'est-à-dire qu'on est rentré dans des pièces, bon, ça avait été plus ou moins muré, fermé par les flics, etc. Donc la première fois qu'on est rentré, c'est en cassant à la pioche les fermetures qui avaient été faites en parpaing de béton aux portes. Et puis on est rentré là-dedans, on a trouvé des grands cubes de béton vides, sans fenêtres, sans rien. Bon, c'était un espace formidable, mais il a fallu ouvrir les fenêtres, aménager tout ça. Ça a été aussi une des périodes de 3 mois comme ça de travaux, où à peu près tout le monde a fait en même temps. Ça a été aussi une façon de rencontrer les gens, et puis les voisins, etc. Et puis de voir comment chacun faisait ceci, cela, et puis voilà. De façon assez cyclique, on nous dit que ça va être cassé. Il y a eu les Jeux Olympiques, on a failli se faire à Paris, on était virés. Il y a eu, je sais pas, une expo universelle, on était virés. Bon, on a reçu, il y a eu déjà des gens qui ont reçu des trucs, dans 6 mois, vous devez dégager parce qu'il y a ceci, cela. Donc déjà, on ne se sent pas inquiet pour demain. Il y en a au moins pour 2-3 ans, encore d'à peu près tranquille. On peut être emmerdé avec des coupures d'électricité, des conneries, parce que c'est quand même un chantier gigantesque autour. Puis s'ils ont envie de... Si les promoteurs du lieu ont envie de rendre pénible l'occupation, c'est assez facile pour eux. Hein. Peut-être on sera logé dans les grands moulins, comme la promesse de notre cher monsieur le maire. Ça me paraît pas tellement... D'abord, c'est une promesse qu'il a faite un peu de façon hardive, parce que les grands moulins, ils sont pas à lui, ils sont à Bouygues. Il a quand même les moyens de discuter. Et puis en plus, ici, ce bâtiment, il a une architecture qui est assez extraordinaire, du fait que c'était des frigos, que c'était fait pour porter des lourdes charges. Il y a une insonorisation, une climatisation et un truc que jamais ils pourront refaire. Ici, on peut mettre 7 tonnes au mètre carré. Pour les sculpteurs, c'est merveilleux. Juste au-dessus, là, on ne les entend pas, mais il y a des mecs qui sont en train de jouer du rock à fond les manettes. Et ça, c'est le fait que ce soit des murs de frigos qui fait que ça passe. Bon, on est peut-être un peu vernis, il y a d'autres ateliers où ils les entendent quand même plus. Mais bon, si c'est pour nous reloger, admettons que cette hypothèse fonctionne un jour, si c'est pour nous reloger, et puis bon, on va ranger les musicaux sur le rez-de-chaussée, les sculpteurs au premier étage, les peintres au deuxième, et puis tout bien, etc. On s'est sûr qu'il y a une grande part de la magie de cet immeuble qui va disparaître. Un oiseau de la nuit commença à chanter « Guiri, guiri, guiri ». Comme s'il se perdait dans le labyrinthe artificiel qu'il avait été passé proprement. Comme s'il était un chercheur de rêve dans un rêve. Par qui la nature s'était cruellement vengée pour attiser son cœur énervé. J'aime cet endroit parce qu'il est, dans Paris, c'est complètement nécessaire pour les contacts. Bon, ça c'est quelque chose, enfin c'est complètement nécessaire, c'est assez nécessaire. Je ne lui trouve pas un charme extraordinaire, hein. Je veux dire, je n'ai pas une attache, je peux avoir l'attache des murs parce que j'y ai travaillé à diverses occasions depuis plusieurs années. Je sais que cet atelier... enfin, où cet ensemble serait dans un autre contexte, je ne sais pas, à Bercy ou dans le 11e ou à Montparnasse ou un truc comme ça, dans un autre cadre, aurait une autre forme au niveau des bâtiments, mais aurait cette isolation phonique et cette solidité qu'il y a ici, aurait les choses qui sont vitales, le mont de charge, le quai de déchargement. Moi, j'ai plusieurs tonnes de matériel à chaque fois que je me déplace.
ça, moi, je, ce qui importe pour moi, c'est que l'existence d'activités artistiques, d'activités de création, d'activités artisanales, bon, de photos juste comme ça, soit dans un tissu urbain vivant. Je ne sais pas si mon activité serait extrêmement différente si je n'étais pas entouré de tous les gens qui sont là. Je pense que profondément, ça doit agir quelque part, mais c'est pas très net dans ma tête. Par contre, sur la manière dont on travaille, je pense que le fait de sentir, de rencontrer, même si les contacts ne sont pas évidents, puisque chacun est derrière sa porte, de tout un monde qui travaille. Bon, il y a quelque chose à laquelle je crois on est tous sensibles ici, c'est de voir le parking plein ou vide, suivant les heures auxquelles on arrive ou on repart. C'est de voir, lorsque les ateliers ont des fenêtres ouvertes, s'il y a de la lumière ou pas le soir ou la nuit. Ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'il y a des gens qui peuvent avoir, et j'en suis, des rythmes très particuliers qui font que les nuits blanches sont pas très particulièrement différente d'une journée normale de travail, et de savoir qu'il y a plein d'autres gens qui sont comme ça dans le bâtiment, que des fois le parking est plein de gens qui partent et qui ressortent à des heures complètement indues dans la nuit, et que tout ça est considéré comme complètement la vie normale et habituelle du lieu. Un problème, parce que des fois il y en a, hein. J'ai une machine qui fait le bruit d'une batterie, donc elle peut gêner. Les habitudes sont que les gens, on se voit, puis on essaye de résoudre les problèmes. Il y a des conflits des fois, mais il y a quand même une attention au travail, tandis que un musicien qui va se trouver dans un HLM et qui répète un morceau va se faire accuser d'être de tas de choses, mais en particulier de pas travailler, parce que ce qui fait dérangeant. Là, si on dérange, on sait qu'avant tout c'est professionnel. Et une fois j'étais malade, c'est drôle, j'étais malade, et j'avais un ami qui est un chanteur d'opéra, et qui était venu me rendre visite, et lui s'est mis à chanter la Traviata, voilà, Camille et Mourin. Là c'était assez drôle. La Lévi et l'autre qui chante la Traviata. Et les voisins sont venus pour dire de baisser la radio. Non, parce que l'autre... Oh! C'est bien d'être dans un endroit où tu es livré presque à toi-même. À la limite, ici, il n'y a plus de règles. Quoi. Si vraiment... J'exagère à mort, mais tu peux considérer ça comme un endroit où il n'y a pas de règles. C'est très rare d'y voir des flics, il n'y a pas de gardien, il n'y a rien, c'est les gens du bâtiment, il n'y a pas de porte, tout le monde peut rentrer.
C'est les gens du bâtiment qui devraient se prendre et qui se prennent en charge pour assurer la sécurité, l'autonomie de la chose, quoi. Donc tu arrives ici, tu es vraiment dans un endroit où tu dois compter que sur toi. C'est pas la survie, hein. On n'est pas des Robinson Crusoe de Paris, c'est pas ça du tout. Mais il n'y a pas de règles ici, franchement, à franchement parler. C'est pas une rue avec un contexte, des gens qui viennent, des passants, etc., des commerçants. C'est pas ça du tout. C'est un bâtiment planté au fin fond d'un terrain vague, en schématisant, dans lequel les gens essayent de faire des choses, quoi. Et toi, t'es là-dedans. Voilà. Quand même un gardien. Il y a un gardien, un Portugais d'1m30, c'est vrai. Faut le dire. Le mieux souvenir, c'est le premier jour que je suis venu, qui est arrivé ici, j'ai fait demi-tour et je suis retourné chez moi. Hein. Ça, j'oublie jamais. Hein. Ouais, parce que il y avait tellement de... Le décor, c'était tellement choquant que j'étais pas habitué du tout à ça. C'était qu'est-ce que ça. Je me suis dit, non, non, c'est pas ici, je me trompais de lieu. Et je retournais chez moi. Il y a forcément une répercussion ou une influence, je dirais, psychologique de dynamisation. Il y a cette notion de, malgré tout, de faire partie d'un esprit de lieu. Ça, je crois que... Même s'il y a des divergences, tout le monde ressent ça, cette communauté d'esprit, malgré tout, qu'on évoquait tout à l'heure, même si des fois ça a l'air branlant comme ça dans des discussions, je crois que c'est le vrai point commun des gens d'ici. Puis la deuxième répercussion, c'est que on peut faire des choses avec d'autres ici. Moi, j'ai déjà travaillé avec des sculpteurs, j'ai déjà travaillé avec des photographes. Et je sais qu'il y a plein d'autres échanges qui ont été faits, de travaux en commun ou de conseils ou d'assistance ou d'échanges d'idées ou même de réalisations concrètes. Ça, je trouve ça précieux. C'est quelque chose
qui n'est pas exclu dans une autre situation, mais qui est plus difficile à aborder qu'ici, où ça peut se faire spontanément, comme cette photo là-bas que j'ai fait avec Bichon, qui est issue d'une sculpture que j'ai faite, qui est née d'une discussion, comme ça, pas d'une bouffonnade, mais presque, on a déliré autour de ce sujet, et chacun a projeté des choses comme ça, et on est arrivé à faire cette image qui est satisfaisante pour les deux. Gilles Joannès, sculpteur au cinquième étage, c'est sa sculpture. Il est surtout illustrateur, mais en plus il fait des sculptures, et je trouvais qu'il avait la gueule de l'emploi, donc on lui a dit, bah, tu poses pour ça, et ça a valu le photographe du mois de Fuji à Bichon. Souvent demander à des sculpteurs, à des peintres de faire des fonds, de participer. Claude Bentignan, vous en avez parlé tout à l'heure, il m'a fait il y a 3 ou 4 ans, je demandais de me sculpter un truc, mais en le laissant quand même, on avait un impératif, c'était dans une famille d'objets, il m'a sculpté un truc qui est rentré dans une prise de vue. On a fait un autre il n'y a pas très très longtemps. La Rivas, il m'a fait plein de fonds, même j'ai fait des commandes pour des photos. De toiles de fond, de traiter de choses avec Réti, je vais souvent demander de travailler des matières comme lui travaillait, parce que j'aime bien ce qu'il fait, ça fonctionnait bien par rapport à ce que j'avais dans la tête. Puis le fait de voir des choses chez lui, quelquefois, ça m'a donné des idées de matières, de traiter, de façon de le regarder. Et ça c'est vraiment intéressant. Les tubes, ils supportent les coups d'éclair. Des gens qui s'intéressent à ce que vous faites, donc ils sont critiques, et à la batte, ils viennent le matin, oh, tu fais ça, il voit un polar, tu fais des merdes, Bichon, en ce moment, il me dit, bon, c'est... C'est pas très gentil, c'est... Je préfère qu'ils me disent ça, et qu'ils me disent, bon, ouais, c'est bien. Il y a une sacrée émulation. Les gens sont assez critiques entre eux. Et dehors, bon voisinage et tout, on se balance plein de vannes sans arrêt, c'est plutôt constructif, c'est pas très sirupeux, c'est bien. T'es sous l'influence de gens que t'aimes pas, t'es sous l'influence de gens que tu aimes, et tout ça, ça rentre en ligne de compte, et ça parasite un petit peu quand même ton travail, forcément, inconsciemment. Même si on va te jurer les grands dieux que non, je pense que forcément, ça... Parce que le jugement de l'autre, il tombe. Il est sévère, il est méchant, il est souvent juste. Ça aurait été un bon moteur quand même. Très bon moteur. Ça a mis une espèce de dynamique permanente dans l'atelier. Chaque toile qui est faite, elle est passée au rayon laser de la critique des autres. Et ça pardonne pas. Parce qu'il y a quand même quelques personnes ici qui sont des gens intéressants. Des gens brillants en peinture et qui font des remarques intéressantes. Donc ça débat, mais c'est pas les grands débats philosophiques, théoriques sur l'art moderne, l'art contemporain, et ces histoires-là. C'est du quotidien, c'est vécu tous les jours, c'est du jugement à l'emporte-pièce. C'est pas... Je crois que c'est ça l'ambiance d'atelier, quoi. Dès le départ, on s'est dit qu'il fallait qu'on reste ouvert sur l'extérieur. On a mis en place, en fait, une espèce de fonctionnement de bouche à oreille. C'est-à-dire que les gens ont su qu'ils pouvaient venir un peu n'importe quand, tout au long de la journée, quel que ce soit le samedi, le dimanche. Et on a fonctionné au départ comme ça. Intuitivement, quoi, en se disant que le côté exotique et attractif de l'atelier nous amènerait déjà du public, dans ce public peut-être des collectionneurs, en tout cas au tout départ des acheteurs. Bon, après ça a suivi son cours normal, c'est-à-dire que on a entretenu les relations, on a entretenu le travail de fond qui avait été fait au départ. Pendant 2 ans on a bossé. Et au bout de 2 ans, on a fait un grand vernissage sur l'ensemble de l'atelier, où on a commencé à montrer notre travail.
Tout de suite, ça a bien fonctionné. Ce bleu, là, ce bleu noir, c'est pas mal. Ouais, il est tenu par les freins. Non, mais celle-là, c'est mieux. Non, mais celui-là... Oui, oui, non, mais je vois que c'est du vêtement. Vous les avez vus ? Non, non, mais c'est pas pareil. C'est pas bien. Non, mais c'est une haie, tenue. C'est pas l'air, en fait. C'est pareil. Oui, hein. Le cœur de l'huile. Oui, oui. Oui, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Oui, ça nous plaît, ça, là. Vos symphonies en bleu, là. Ça, c'est vraiment spécial. Celle-ci, chouette, celle-ci. Mais je vais te dire. Une attraction pour les enfants. Ce petit groupe a visité un certain nombre d'ateliers, je dirais un échantillonnage presque au hasard, puisqu'il est impossible de montrer 85 ateliers dans une journée. Alors, ça a deux aspects quand même. Ils sont venus parce qu'ils voulaient voir des ateliers d'artistes, mais nous, on les a reçus aussi parce qu'on veut montrer ce qui se passe ici. Non seulement parce que c'est un peu le but de notre travail, on réalise des choses mais ensuite on veut les montrer, mais d'autre part, et on revient toujours au même point, pour faire comprendre à un maximum de gens que ce bâtiment doit être respecté et si possible conservé, voire développé, maintenu et développé, pour laisser aux gens qui sont ici depuis 7 ans la possibilité de continuer dans de bonnes conditions. Il y avait les journées portes ouvertes. Et ça a commencé à 14h de l'après-midi. Et il y avait tellement de monde, les gens venaient carrément à 9h du matin. J'avais laissé la porte entrouverte. J'étais en train de prendre mon bain tranquillement. Je me retourne et je vois la maison pleine de monde. Et alors, je ne sais pas quoi faire. Je dis, est-ce que je fous tout le monde dehors ou est-ce que je joue le jeu? Et je me dis, bon, je vais jouer le jeu. Alors, je dis, mesdames et messieurs, vous pouvez admirer l'artiste qui prend son bain. Ça a dû faire un sacré effet, non? Ah, c'est drôle, ouais. C'est drôle. De la baignoire avec la maison pleine de monde, là, c'est un peu un happening. Un peu, oui. Mais en même temps, c'est drôle, cette histoire de porte ouverte, parce que les gens rentrent ici avec un recueillement presque religieux, comme s'ils sont dans un musée, ou comme s'ils visitent la maison de quelqu'un qui est déjà mort, par exemple. Et moi, je suis là, je regarde, mais les gens, ils se montrent, parce qu'ils ne savent même pas qui je suis, parce que les gens, ils rentrent, ils visitent. Ils essaient d'imaginer qui c'est qui habite là. Ils regardent comme ça les lits, ils regardent tous les trucs, comme ça. Tu vois, mais vraiment comme quelqu'un qui est plus là déjà. Et de voir tout ça, comment ça fait une drôle d'impression. Tu vois, par exemple, rien que les journées portes ouvertes, tu vois, on en a fait quelques-unes tout au début pour un peu se faire connaître, pour rencontrer des gens. Maintenant, c'est que c'est plus par ce moyen-là que ça passe, quoi. Et bon, vu que les journées des portes ouvertes, il y en a assez aussi, quoi. Il y en a 5 par semaine. Ça va, quoi. Puis les artistes dans leur milieu, ceci, cela, bon, ça m'énerve aussi, quoi. Maintenant, par exemple, des trucs comme des organismes de manifestation, comme par exemple le 13e art, c'est vraiment. Ça ressemble plus du tout au but qui s'était fixé quand ils l'ont fait, ce truc-là, quoi. Maintenant, c'est la promenade touristique, c'est les landaus, les chiens, c'est vraiment le dimanche après-midi, plutôt que d'aller au zoo, ils viennent voir les artistes, quoi. Et c'est de moins en moins intéressant pour nous, quoi. Hein. Je sais qu'au dernier 13e art, quoi, j'ai quasiment discuté avec personne, quoi, alors que l'année d'avant ou l'année encore avant, quoi, je sais pas, c'était des gens beaucoup plus intéressés par ce qu'il y avait sur les murs que par la promenade et l'intérêt touristique du quai de l'Allée. Mais ça, le problème aussi avec ce lieu, quoi, c'est qu'on est peut-être un peu prisonnier aussi, toi. J'ai peur qu'il y ait une étiquette, un label, 91 quai de la gare. Puis bon, j'ai déjà entendu un peu des réflexions, un peu dans ce sens, tu vois. Où t'es catalogué, en fait, par rapport, parce que tu travailles ici, quoi. Alors que, bon, moi, j'ai pas...
pas grand chose à foutre avec la vie du bâtiment, tu vois, je ne vais jamais aux réunions de l'association, enfin j'ai vraiment aucun sens civique de ce côté-là. Comme je disais, il y a des gens que j'aime bien ici, il y a des gens, enfin non, il n'y a pas de gens que je supporte vraiment pas non plus, quoi. Mais où voulais j'en venir déjà. Ben voilà quoi. La perspective de voir les frigos rasés pour laisser la place à des bureaux, tu vis ça comment? Mal. Mal, mais, mais c'est quand même compliqué, si tu veux. Bon, bah, bien sûr, je trouve ça stupide. Il n'y a pas d'argument pour faire ça. Enfin, si, il y en a, si tu veux, mais... Mais c'est double, parce que si c'était pas un endroit qui était menacé, si c'était pas un endroit qui était promis à démolition, j'aurais jamais de quoi payer le loyer. Donc bon, je ne suis là que dans la mesure où la précarité est régnante. Donc bon, c'est un peu difficile. Alors on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Évidemment que c'est précaire, sinon j'y serais pas. Et bon, alors bon, en même temps, pas désespéré. Enfin bon, il faut quand même essayer de faire quelque chose pour maintenir cet endroit tel qu'il est ou tel qu'il peut devenir. Ça, c'est évident. Mais... Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne peut pas habiter ici, avoir une activité quotidienne, je dirais. Hein. Moi, j'arrive tous les matins à des heures de bureau, je repars des fois tard le soir, des fois je passe toute la nuit, des choses comme ça, sans être conscient que ce lieu est virtuellement provisoire. C'est-à-dire qu'on sait de par les conventions qu'on a que les choses peuvent être défaites. On sait que si le plan d'occupation des sols est respecté, ce ne sera pas
maintenu dans les lieux, donc la démolition est probable. Même si d'autres projets peuvent faire que la réhabilitation se maintienne, de toute façon, ce sera une réhabilitation, donc ce ne sera pas forcément exactement les mêmes locataires. Il y a des tas de choses qui peuvent changer. Et ça veut dire que forcément, on est conscient de la précarité du lieu, donc on s'inquiète du lieu. Hein, moi, j'ai été dans un endroit... Bon, j'ai l'air d'avoir été quelqu'un qui a toujours des endroits provisoires. Je dirais, c'est obligatoire, vu ma profession. On ne peut pas se permettre d'avoir des lieux à la taille qui est nécessaire, où j'ai besoin de beaucoup de volume, au prix coûtant normal du mètre carré dans une ville. Pour les gens qui viennent ici, en particulier pour la première fois, il y a quelque chose qui est très agressif au niveau environnement, et je pense qu'il là doit sans doute marquer les gens qui travaillent ici, parce qu'ils sont obligés de passer à travers ça, c'est que il y a ce contexte de lieu industriel en friche, qui a donc des morceaux de bâtiments autour qui sont un petit peu laissés à l'état brut, ou certains sans toit, ou certains abîmés. Enfin, il y a quelque chose qui préfigure une démolition, même si on n'en est pas encore là. Il y a bien évidemment tout un univers de graffiti et de tags qui est le passage obligé pour rentrer ici, qui marque certains couloirs plus que d'autres, mais de manière générale. Et c'est vrai, quoi qu'on en pense au niveau artistique, le tag en lui-même a un caractère agressif, une dureté. Alors, je porte pas de jugement là sur la nature des tags, sur l'existence. Moi, ils me gênent pas. Je sais qu'il y a des gens que ça gêne beaucoup ici, mais ça participe de quelque chose d'agressif. Par contre, je le ressens. Et c'est un peu à l'unisson de ce qu'il y a dans le proche environnement. Tous les gens qui sont en dehors de la musique ou de l'art trouvent qu'ici, c'est genre... Oula, c'est dur. C'est genre, c'est la zone, quoi. C'est New York en schématisant. Je fais venir mes parents ici. Enfin, quand je faisais au début, c'était genre, t'as pas choisi le plus facile. Il n'y a jamais eu, si vous voulez, d'agression hein, dans ce bâtiment. Il n'y a pas d'insécurité de gens qui ont été attaqués ou auxquels on a volé le sac. Non. Vous pouvez venir à 3h du matin, vous rencontrez des gens, des musiciens qui descendent de répéter. Non, il n'y a pas d'insécurité à ce niveau-là, mais disons que les gens n'ont assez de vivre dans l'environnement, où, surtout pratiquement au niveau du hall d'entrée des boîtes aux lettres. On a, ça bombe même les lettres à l'intérieur des boîtes aux lettres, on a des bombages. On sent véritablement que là ça devient difficile à vivre. Parce que certaines d'entre nous reçoivent quand même de la clientèle. C'est difficile. Moi, je me suis trouvé travailler à un moment donné pour Yves Rocher. Bien, les gens d'Yves Rocher sont arrivés, ils m'ont téléphoné du bistrot du coin pour me dire, est-ce que c'est bien là que vous habitez? Ils n'osaient pas rentrer. Ou alors à 6h du soir, quand il y a des mannequins qui viennent pour un casting, c'est très difficile parce que les filles ont peur, quoi, hein. Le quai de la gare est désert, pas mal éclairé, ça pose problème. Oui. Parce que c'est ma femme qui a vu. Le look et le lieu qui véhiculent cette image. C'est vrai que l'aspect du lieu, si on vient un soir, la nuit tombée, Il y a tout un environnement, il y a des chantiers, il y a des clochards, il y a des groupes de rock qui viennent répéter avec tout ce que ça draine comme curieux, comme... Bon, puis les taggers, ils se disent que c'est un lieu idéal pour s'amuser, etc. Il y a des fêtes qui sont organisées, il y a tout un tas de choses qui font que... À certains moments, si on se pointe le soir ici, l'ambiance est un peu bizarre. Il y a les voies ferrées derrière, il y a,
Il y a des ambiances qu'on a vues dans certains films. Il y a des, des gens qui sont venus ici qui m'ont dit avoir eu la trouille. Quoi. Mais en fait, c'est pas, ça craint pas du tout. Planté là comme une pustule maligne dans une zone qui est destinée à devenir un pôle industriel, enfin pas industriel, commercial, économique, une espèce de phare parisien par rapport à l'Europe. Un coin complètement clean et représentatif. Nous on est un peu dérangeant là. Donc c'est vrai que pour beaucoup de gens, les promoteurs et des responsables de l'État ou de la ville, on n'est pas à notre place ici, quoi, on les dérange. Bon, nous, on a un outil ici, on a un lieu qu'on n'a pas envie de perdre. On a tous investi dedans, on sait que nos droits par rapport à un système sont limités. On a très peu de moyens de défense, mais... on essaye quand même de se battre pour soit rester là, soit être relogé dans des conditions décentes. Promesse qui nous a été faite, maintenant on verra. Mais c'est vrai qu'on peut, être considéré comme le village d'Astérix. Dans la mesure où on essaye de ne pas se laisser faire, quoi. Bon, il y a cette vieille histoire de la promesse qu'on serait relogé au Moulin de Paris et qui apparemment clive les gens par rapport à des stratégies, mais je pense que c'est qu'il y a un double leurre, c'est assez difficile à analyser. Il y a le leurre de cette promesse, bon, évidemment c'est un leurre, parce que bon... Mais il y a un leurre à un autre niveau aussi, à l'endroit où c'est pris comme générateur de conflits. Parce que premièrement, c'est une promesse, bon, on ne peut pas y croire, il y a plein de raisons pour ça. Et deuxièmement, le clivage stratégique ne peut pas se faire sur, point de vue de la vie collective, ne peut pas se faire sur y croire ou pas y croire. Parce que la croyance, ce n'est pas une activité, si tu veux, en gros. Bon, alors, tu étais à l'Assemblée Générale de l'association, tu as peut-être vu que les clivages avaient l'air de se faire là-dessus, hein, sur des stratégies adoptées, etc. Il y a Réti qui est venu en disant oui, bon, moi je prends position pour le maintien et le développement du lieu et laisser tomber avec cette promesse fallacieuse et ainsi de suite. Alors, c'est pas si simple qu'il y paraît parce que il fait ça. Mais alors, je lui ai dit, quand tu fais ça, tu donnes consistance à quelque chose qu'il n'a pas, à savoir la promesse en question. Et quand Jacques Toubon nous a fait la proposition de nous reloger dans les grands moulins de Paris, on a dit, bon, d'accord, nous reloger dans les grands moulins de Paris, mais à quelles conditions? Parce que si c'est au prix du mètre carré du marché tel qu'il est pratiqué, c'est une promesse qui n'est même pas la peine de faire, puisque aucun des gens qui sont dans l'immeuble n'auront les moyens de payer les loyers qui nous seraient demandés. Alors c'est là où donc il y a un engagement de la CEMAPA, de Jacques Toubon et de la CEMAPA, qui nous a dit, de toutes les façons, on ne vous touchera pas tant qu'on n'aura pas trouvé une solution à votre relogement. Et comme nous allons garder un certain nombre de bâtiments des Grands Moulins de Paris, les trois plus beaux bâtiments, qui représentent une surface très importante, qui permet donc de reloger tout le monde et de laisser encore des mètres carrés. Et ensemble, ce noyau actif du 91 quai de la gare serait déporté de l'autre côté et créerait donc une dynamique dans les nouveaux bâtiments, telle qu'elle, cette même dynamique qui s'est créée ici dans le bâtiment existant. Je crois que même si le vote du Conseil de Paris a décidé que ce bâtiment n'existera pas d'ici quelques temps,
Moi, je n'ai rien entendu de tout ça. Je dis que 150 personnes ici ont la force et la possibilité d'affirmer un certain nombre de vérités, que ça aboutisse ou pas. Quand les démolisseurs arrivent, généralement, ils essayent de vider l'endroit avant, et il est très rare qu'ils y parviennent. Les gens restent, évidemment, jusqu'à la fin. Et juste un exemple, c'est celui de la cité Fleurie, je crois, où les gens s'étaient couchés devant les bulldozers, et en effet, il n'y a pas eu de démolition. Alors, je ne dis pas que c'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas eu de démolition là-bas, c'est que les fameux décideurs ont renoncé à la démolition. S'ils n'avaient pas renoncé, eh bien, les flics auraient fait leur boulot, point à la ligne. Là, ce sont les sentiments qui l'emporteront. Précisément, ceux que j'appellerais les désarmés d'avance partiront, et puis ceux qui ont un certain nombre de convictions resteront, même si la cause est perdue éventuellement. Mais je persiste à dire qu'elle n'est pas perdue du tout. On peut essayer d'entrevoir une bataille au finish, jusqu'au bulldozer et au CRS. Pourquoi faire, hein? Pour retrouver nos toiles dehors, sous la pluie, se battre pour l'honneur, mais l'honneur de quoi? C'est pas trop bien. Bon, ben voilà, quoi. Je crois qu'il faut prendre surtout faut prendre conscience de la réalité des choses, quoi. C'est-à-dire, les politiques n'ont rien à foutre de la culture. Ils s'en tapent. Alors là, après, on peut entrer dans un débat sur qu'est-ce que la culture. Bon. Au ministère de la Culture, on a décidé que la culture, c'était de décorer Sylvester Stallone. Voilà, dont acte. On n'a rien à foutre avec eux, c'est tout. Pu en faire quelque chose de très beau. Hein. On a proposé d'ailleurs. Il y a eu des études qui ont été faites, des études sérieuses, même des études de gestion et de financement de ce bâtiment. Donc c'était viable. Bon. Nos amis les urbanistes en ont décidé autrement. On pourra toujours dire que ce sera nul et haché, ce sera. Et puis rendez-vous dans 2 ans pour regarder ça péter. Quoi. Yeah.